voit la révolte des joueurs. Quand ils disent maintenant nous devons réagir, il faut monter d'un cran. Est-ce que vous avez vu cette révolte? Deux, je vous ai dit tout à l'heure au début que les joueurs me téléphonaient. Tout ce que j'avais mis en place. Je ne me souviens plus, pendant mes années à la tête de la FEDEFA, surtout les dernières années, quand est-ce que les joueurs ont passé 6 heures à l'aéroport en train de dormir assis en attendant qu'il avait envie. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas, un jour à l'étranger, que nous terminions les matchs et que la direction de Kinshasa a à l'aéroport pour prendre l'avion. Ceux qui sont restés à Casablanca, on ne sait pas chacun va dormir où. Que ce sont les joueurs eux-mêmes qui ont cherché un chambre à l'hôtel. Passez mon téléphone. J'ai mon téléphone. Je ne peux pas comprendre que pendant qu'ils sont en train de jouer, on nous mène par 1-0. Ceux qui sont censés rester là pour motiver les joueurs prennent l'avion pour aller assister à un match amical. Ça, c'est fautif. Ça signifie que vous démotivez les gens. Ça fait, c'est de l'irresponsabilité. Est-ce que l'objectif était un match amical ou bien la CAN, les éliminateurs? Il y avait des raisons. Vous comprenez? C'est ce que, non, j'ai dit, je ne parle pas des raisons. J'ai dit, mais ça, je trouve irrationnel. Le combat, c'est celui-ci, on vous met par 1-0. C'est de rester sur place. Un commandant de bord doit être le dernier à quitter son avion ou le navire. Mais je ne peux pas comprendre qu'à ce niveau-là, qu'il y ait des personnes qui quittent, qui vont vite à l'aéroport parce que l'objectif, c'est d'aller assister à un match en Algérie. Ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est condamnable. Je ne peux pas comprendre d'apprendre que c'est le ministre qui doit réunir les joueurs, qui doit réunir les entraîneurs pour parler de l'équipe nationale. Quelque part, il y a démission de l'organe qui est censé le faire. Ça signifie quoi? Le ministre, le pouvoir a horreur du vide. Voilà. Si le ministre me dit qu'il n'y a pas d'interlocuteur, je suis obligé de le faire. Quand je demande ça, personne ne m'amène ça. Je suis obligé de le faire. C'est qu'il y a défense quelque part. Je ne peux pas comprendre. Vous avez vu chaque fois que le chef d'État nous a visité, quand j'étais président, moi j'étais à côté du chef d'État, parce qu'il avait besoin des explications, il vient poser la question. Mais que j'observe, nous sommes dans la salle, les mêmes personnes sont quelque part, aux encarbures, aux en, quelque part logés là-bas. C'est des lits. Non. Ça, j'ai dit, ça m'a fait mal. Moi, je l'ai rappelé. Ça m'a fait très mal. Ce sont des choses qui me faisaient mal. Pourquoi devons-nous? Après un match, j'ai reçu deux joueurs, deux anciens. Du stade, ils sont venus directement chez moi. Monsieur le Président, ce qu'on vient de vivre au stade, ce n'est pas correct. Je n'ai pas vu la vôtre intermédiaire s'élever dans le votre profond. Vraiment. Par deux fois. C'est pas normal. Ça m'a fait mal.